Depuis que j'étais petit, j'aimais pas dessiner, mais déchirer, découper, déchirer, froisser. J'aimais agir sur les choses. J'aimais surtout déconstruire et détruire. C'est-à-dire, quand je trouvais un petit appareil électroménager, je débranchais, j'enlevais le haut. Je savais jamais reconstruire. Une fois que j'ai appris le dessin, j'ai commencé à faire des diapositives, donc de la couleur. J'ai commencé à les photographier en couleur, toujours avec du clair-obscur. Et j'ai commencé à reproduire en peinture à l'huile cet effet-là. Et après, j'ai commencé à aimer la photographie plus que la peinture. Voilà, c'est comme ça que cette histoire d'amour avec la photo a commencé. Quand on est artiste, on nous invite un peu partout dans le monde. C'est vrai que j'ai toujours cherché dans mes photos un choc visuel. Ça, je l'ai toujours cherché. Mais pas n'importe quel choc. J'ai toujours, en tout cas, j'ai essayé de faire rencontrer deux mondes qui ne se rencontrent jamais. L'idée, c'est pas inspirer. L'idée, c'est que chacun puisse créer son propre univers.